commencer. Oui, donc nous-mêmes, nous c'est l'Union nationale des sous-agents de cancer en Haïti et l'UNATA. Je nous ai annoncé depuis la semaine dernière, aujourd'hui à là, nous avons pour prendre la rue, pour nous être capable de descendre devant BRH, pour nous alimenter Jean-Baptiste Dubois. Est-ce que qui ça l'a fait avec le bureau de transfert qui fait meilleur? Qui ça l'a fait avec la population qui est dans la rue depuis 2 semaines qui a marché des transferts au bagage de transfert? Donc c'est dans la logique ça nous-mêmes, je nous ai annoncé aujourd'hui à là, nous réunir à Balumier à la rue à là, nous allons descendre devant BRH, côté que la un marche pacifique pour demander et BRH qui ça l'a fait avec 50 000 employés. 50 000 employés que nous gagnons dans la rue. Chaque jour, vous allez nous appeler. Qui ça l'a fait avec eux parce que vous n'avez pas rien pour faire. Maintenant, je dis à la ministre, là, c'est la population qui est ensemble avec nous là. C'est le monde qui est employé qui est ensemble avec nous là pour essayer de passer la rue. Vous demandez, comme vous n'avez pas une réponse, vous allez demander 300 000, vous demandez de Jean-Baptiste Dubois, qui ça l'a fait avec nous? Qui ça l'a fait avec? Est-ce que le bureau a prêté fermé? Est-ce que l'employé ça a prêté, il a prêté sous béton sans que pas une rien pour faire? Est-ce que l'investissement ça a tout fait, on a perdu, on est allé? Donc c'est dans le logique ça nous là pour nous dire là. Vous parlez au nom de qui est-ce? Au nom de qui? Moi c'est Pierre Renel qui est le président de l'Union nationale des sous-agents de cancer en Haïti, qui c'est Pinata. C'est qui ça l'a revendiqué même? Bah, dis-nous. Ça l'a revendiqué, c'est que bureau nous fermé et BRH sont en circulaire 54-32. Côté que l'imandé nous, l'hiver injection pour payer, c'est un gros type de problème. Mais par contre, tout ça nous a gagné nous-mêmes comme marge de fonctionnement dans le bureau Nio. Et pour finir, nous avons fait les prêts par les banques. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas fonctionner comme ça et que nous ne pouvons pas continuer à payer les employés Nio là. Donc nous-mêmes, nous camper, nous avons revendiqué ça pour demander pour payer les banques moyens pour fonctionner comme c'est lui-même qui retire les. Pour lui-même encore, pour les banques moyens pour fonctionner, pour le bureau capable de fonctionner, pour payer les employés Nio, pour payer tous les frais de fonctionnement que nous avons gagné avant. Donc c'est notre objectif à nous camper là. Selon nous-mêmes, l'État va vous faire travail. L'État va là pour nous faire. Je dis à la Ouka constater, le soupas c'est devant le bureau maire qui ouvre, Ouka ouais, population a levé à 2-3 heures du matin pour le prendre. Il y a deux mouns là, les ouvres ont été 20 dollars, 30 dollars pour les libérer, ils ne vont pas le prendre. Donc, pour que ce soit une décision qui est claire, qui est en faveur et classée bourgeoisie là, donc qui est en faveur un secteur bien déterminé, qui est le secteur bancaire là, donc il va en faveur nous-mêmes qui n'a pas trop pile là. Donc, Ouka ouais, toujours dis à la, sous besoin de 50 dollars par exemple, c'est un nom de banque pour acheter, il va même les barres même. Donc, pour que la décision ça n'est pas en faveur nous, c'est en faveur et qu'on classe bien déterminé. Si BRH pas décidé de tourner sur les décisions, ça. Bon, j'en vois là, nous-mêmes, nous avons continué à fouler le béton jusqu'à ce que nous ayons une réponse favorable. Je ne vais pas gagner intérêt dans nous. Ok, donc je vais parler nous, nous-mêmes, nous avons descendu en bas, nous allons poser des questions, nous avons demandé qui a fait avec nous. Ah, mais monsieur, moi-même, mes 4 petits, c'est moi-même, c'est un exo avec une fonction de ce qu'on a vivre. Mais mesdames, les 8 madame, mesdames, nous avons la vue et pas ma vision, non, maladie et qui débat, même cassé, comment dire, non, la colère, non, seconde gouna, madame, moi, la seconde gouna, elle dit que c'est même la 4 petits, moi-même, c'est un exo, c'est un peu fonctionné, elle dit que, bah, pas bon, alors, décision, vous avez fait un peu de mal, si on va y aller, vous me tapez une décision, mais fallait me changer. Pour que le soit ouvert. Bon, on va le changer pour le combat pour nous. D'accord. Pour nous fonctionner. Ok. Oui, donc, nous-mêmes, en tant qu'organisation dans la société civile, là, moi-même, je suis responsable de l'Assemblée pour la Définité. Je dis que nous sommes d'accord avec l'initiative INATA. Côté, il y a une marche. Marche, ça, il y a fait. Pour que vous disiez Jean-Baptiste Dubois, pour vous dire M. Jovenel, plus de 30 000 personnes qui ont été dans le chômage, nous savons qui ça va faire avec. Donc, nous tous qui là, nous gagnons par an, l'autre bord qui voyait un petit corps pour nous. Et petit corps ça, Jean-Baptiste Dubois, il était assis. C'est en route pour nous. Tandis que nous avons lâché la main, vous presque dépensé moitié là-dedans. Donc je dis à que nous voulons un bon mouvement et nous demandons toute organisation dans la société civile pour nous porter coller. Parce que monsieur PHK Sayo, monsieur Sayo qui a dirigé le pays, monsieur Sayo a une commission pour éliminer le pays, pour éliminer toute classe moyenne. Et c'est ça que nous-mêmes. Nous présents avec INATA et nous demandons toute l'organisation pour faire même genre pour que nous gommions votre équipe PHK criminelle malfaisant ça. Jean-Baptiste Dubois, vous êtes quoi? Population d'accord, c'est un gros criminel de l'année. Et c'est raison ça, faut que la population mette ensemble pour que nous débarrassions le pays des équipes malfaisant ça qui est là qui a tout visé le pays. Pour l'autre fois, nous saluons la presse. Nous pouvons accompagner nous dans toute marche là, donc que nous là pour que nous-mêmes nous promettons et nous invitons la population à rejoindre. Merci. Solidarité, c'est sacré, les forces de solidarité pour nous apprendre à mener la bataille.
population, qui m'a dit plus ça. Solidarité. Population tout levé à 2-3 heures du matin pour aller entre terre non bureau. Mais il y a grand pile d'insécurité, population a dit besoin pour que le transfert l'ouvre, pour recommencer à prendre activité aux gens satellites comme avant. Je dis à la, nous voyons appel clair par Jean-Baptiste Dubois, qui est gouverneur BRH. Il y a une banque centrale dans tout le pays, il est là pour mettre l'ordre. Il n'est pas là pour retirer dans mon secteur, pour mettre dans l'autre secteur. Je dis à la nous estimer que circulaire 114-2, c'est un outil que BRH mettait ensemble avec banque commerciale pour craser la classe moyenne. Non. Et nous, ça déjà, ça fait 2 semaines, nous voyons qu'il misère la population à passer. Je ne veux pas inquiéter parce que vous-même, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de transfert comme tout l'autre bord. Vous n'avez pas de moyens, vous-même. Vous n'avez pas de monde qui est dans le grand groupe. Je veux dire à ce peuple qui est là, le peuple a demandé Jean-Baptiste Dubois pour retourner sur cette décision. Il faut que le transfert soit ouvert. Il faut que 30 000 employés retournent dans le travail. Et si vous n'avez pas pris une décision qui est nécessaire pour tout le monde ouvrir, vous n'avez pas passé avec votre phase supérieure. Merci. On a fait la caillou, nous sommes sous soldats et on va continuer notre bataille. Et la presse qui parle, la conférence de presse sur Jean-Baptiste Bastana, c'est très démocratique. C'est la matière de tout. On a dit que tout en monde. C'est bon, vous tombez, DJ. Chauffeur, chauffeur, chauffeur. Comme la tour, la tour. Je n'ai pas l'autorisation pour ça. Je t'ai autorisé une présentation. Oui, pour la rue. Oui, pour la rue. Non, oui, je t'ai autorisé. Je n'ai pas l'autorisation pour la rue. Quand tu as fait pousser le mur, tu as sécurisé nous. C'est qui t'a rendu nous là. Je ne veux pas d'arriver, puis bas, ça, je ne pas juste crier, frère. Thank you.
Sécurité, population dit qu'il besoin pour que le sérieux l'ouvrir, pour recommencer à prendre activité aux gens satellites comme avant. Je dis à la, nous avons appel clair par Jean-Baptiste Dubois, qui est gouverneur BRH. Il y a une banque centrale dans tout le pays, il est là pour mettre l'ordre. Il n'est pas là pour retirer dans mon secteur, pour mettre dans l'autre secteur. Je dis à la, nous estimer que circulaire 114-2, c'est un outil que BRH met ensemble avec les banques commerciales pour écraser la classe moyenne. Et nous, ça déjà, ça fait 2 semaines, nous avons une misère population à passer. Je ne suis pas inquiété parce que vous-même, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de transfert comme tout l'autre bord. Vous n'avez pas de moyens, vous-même. Vous n'avez pas de monde qui est dans le grand goût. Je veux dire à ce peuple qui est dans la rue, peuple à manger, Jean-Baptiste Dubois, pour retourner sur cette décision. Faut que votre cerveau le louvre, faut que 30 000 employés retournent dans le travail. Et si vous n'avez pas pris une décision qui est nécessaire pour tout le louvre, la passer avec votre phase du pays. Merci. Ouais. 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 On a fait la caillou. Moi, je suis soldat.